J'ai rencontré tout type de femmes, des femmes qui ont eu des parcours pas très gais, t'as des femmes qui ont eu des parcours avec une vie bien remplie, une vie heureuse, tas de choses. J'ai besoin aussi d'illustrer des femmes qui sont gaies, qui sont heureuses de vivre. Pas toujours la tristesse, il y a aussi une gaieté. Dans les sculptures, il y a une gaieté. Il y a une forme d'intimité, il y a une forme de complicité. Et il y a tout cette atmosphère de femmes que j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que de la tristesse, loin de là. Il y a de la légèreté, il y a de l'insouciance, il y a du plaisir de vivre. Je travaille en série. Je ne vais pas travailler une sculpture et puis après, bon, une autre et puis un autre thème. J'aime bien quand je travaille des thèmes. Donc je vais travailler un thème, bah, au lieu d'en faire une, bah, je vais en faire 10. Et après, le jour où bah, ces femmes en marche sont terminées, bah, peut-être ce sera, un autre sujet qui me viendra. Certainement peut-être masculin. J'ai autant de plaisir à sculpter un homme qu'une femme. J'aime trop les hommes d'ailleurs pour pas devoir les sculpter. Tu vois? Ouais. Parce que ça va se fendre sinon. Tu vois? Ça va mettre comme ça mettre. Voilà, c'est prêt.
Ok, c'est bon. Pourquoi faire le projet des Femmes en Marche? Alors, bien sûr, les Femmes en Marche, ce n'est pas une marche physiquement parlant, ce sont des étapes de vie. Et puis je me suis posé la question, puis je me suis rendu compte que, bien sûr, ma sculpture tourne autour de l'humain. Mais à côté de ça, j'avais des thèmes de prédilection, qui sont l'errance, l'exclusion, la solidarité et la complicité. Quand je sculpte une sculpture seule, ça crée une émotion. Mais ces sculptures, quand elles sont mises ensemble, dans un contexte, ça crée un dialogue. Et justement, les femmes ont besoin de ce dialogue. Les femmes de tout temps, de toute génération, on a toujours eu besoin justement de cette complicité pour se raconter nos histoires. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'ai ce privilège de pouvoir donner un message contemporain. Et si j'avais quatre mots à résumer de ces Femmes en Marche, bien je dirais que c'est quatre mots, seuls mais toutes ensemble. Et c'est vrai aussi que je pense peut-être être un sculpteur engagé, et je suis sensible aux droits de la femme, parce que bon, la femme, il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est un gros problème, je dirais, à échelle mondiale, et c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que j'ai fait ce projet de Femmes en Marche. Toi, tu vas avoir plus de facilité. Regarde, tu vois ici, je l'ai fait. D'accord. Donc toi, regarde, tu as de la facilité. Donc tu l'enfonces, ouais. Tu vois. Et alors, une fois que tu as enfoncé ton couteau à huile, tu fais ça. Je fais ça, ok, d'accord. Okay, donc il faut la décoller. Mais celle-là, elle va être coriace parce qu'elle est bourrée de bois. Ouais. Donc elle va être coriace.
Moi, je vais essayer d'abord déjà de trouver un petit trou pour me faufiler là-dedans. Tu le bouges, tu sais, tu fais un... Je l'avais venu comme ça. Comme ça? Ouais. Voilà, je vous dis. Tu l'oses. Ouah. On l'a mis par terre. D'accord. Perfecto. C'est pas trop arraché de plastique. Mon liseuse découle tout seul. Oh là, la pauvre. Oh, allez, hop, allez, capote. Je sculpte sans modèle, puisque je prends le modèle et puis je vampirise, je fais le buvard. Je la vampirise, après elle part, elle m'a raconté son histoire, je pense à elle. Je pense à elle, ou je pense. La nuit, je me réveille, je pense. Et puis après, quand je sculpte, je la vois pas, je pense à cette personne, j'interprète à ma façon, à moi, et après, et c'est là où j'ai cette fameuse terre que j'adore, cette passion terre, qui me tire, qui me tire, qui me tire, qui me tire.
J'ai les pieds dans la terre, là, bien dans la terre. Et ça me tire un fil vers le ciel. Et là, à ce moment-là, je suis dans ma bulle. J'ai la totale liberté d'être. Et cette liberté d'être me rend dans un état proche de l'amour, proche, je ne dirais pas proche du divin, parce que c'est trop présomptueux, je ne dirais pas ça, restons. Je veux garder cette simplicité, cette humilité, mais dans un état proche de l'amour, ça c'est important. D'ailleurs, quand je sculpte, je reviens sereine et de meilleure humeur, en phase avec moi-même, une femme amoureuse. Chorégraphie entre les gens qui collent le bronze, qui est extraordinaire. Chorégraphie, c'est une symphonie, on va dire, une symphonie.
Après, ces femmes en marche, je vais faire des autres projets. Parce qu'il n'y a pas que les femmes aussi. Il y a un problème aussi dans notre région, le problème des migrants. C'est un gros problème. C'est encore une fois une question d'injustice et une question d'exclusion. C'est peut-être ma forme de dire stop ou de faire prendre conscience aux gens, de voir en dehors des sculptures, il n'y a pas que le beau. Il n'y a pas que l'endroit, il y a l'envers de l'endroit aussi. L'envers de l'endroit, ça veut dire quoi? C'est parce que je sculpte pas ce que je vois, mais je sculpte ce que je ressens. C'est-à-dire, j'essaie de chercher dans les personnes le ressenti. J'ai quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je parle avec ce quelqu'un. Et puis, on arrive à se confier des petites choses. Et dans ces cas-là, j'essaie de vampiriser un peu cette émotion pour la retraduire telle que moi, je la ressens. Donc j'essaie de sculpter, non pas l'endroit, mais l'envers. Ce qui est à l'intérieur de la personne et non pas à l'extérieur. L'extérieur ne m'intéresse pas. L'extérieur, c'est le beau, c'est le facile, c'est l'agréable. Il y a aussi autre chose que le facile, le beau et l'agréable. Il y a la vérité. Après, tout le monde a sa vérité. Moi, je ne dis pas que j'ai la vérité infuse. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça du tout. Mais c'est ma vérité. Et je ne peux pas tricher avec la vérité. En tout cas, je ne triche pas. Je ne veux pas tricher. Je ne me renierai pas. Je ne peux pas. C'est la mienne. C'est peut-être pas celle des autres, mais c'est la mienne.